On a pas mal de jeux PS4. Alors, en oui, c'est énorme. Tout ça. Et j'en ai encore. Le PS2. Ouais, tout ça. C'est déjà pas mal, hein. Bon, on va commencer par quoi? Je propose qu'on commence par les jeux Wii, parce que là on les voit bien dans le champ de la vidéo. Cocoto Kart Racing, qui me manquait, donc ça c'est cool, je vais pouvoir le tester. Il est complet, ils sont tous complets je pense, il y aurait peut-être pas, mais presque tous. Je vais les mettre par terre, hop. Ensuite j'ai un Circus, je sais pas quoi, sur un Playmobil, je connais pas. Il est normalement, il me semble. Ça va en faire des gameplays les gars. J'ai un Resident Evil. Complet. Oh, ça a l'air trop bien ça. Un autre jeu d'horreur. Ouais. Ça y va les jeux d'horreur. Complet. Je sais pas si c'est vraiment horreur, mais bon en tout cas, c'est plus de 16 ans. Hop, au suivant. J'ai du Shawn Wei. Complet. J'ai un Call of Duty. Ça, c'est plus un jeu de guerre. Ensuite, j'ai Space Camp. Complet. Un jeu de voiture, Hot Wheels, complet. J'ai un Ghost Squad, ensuite j'ai Secret Files, ça doit être un jeu d'aventure plus, complet. Un jeu de voiture, Need for Speed. Complet. J'ai de la chance, ils sont tous complets. Ensuite, j'ai un super-héros. Complet. Là, c'est pareil, ça doit être un jeu d'aventure. Avec des combats et tout ça. Toujours des combats dans les jeux de super-héros. Ah, Gasper. Jeu d'aventure. La terrifiante journée du sport. Ensuite, j'ai le Seigneur des Anneaux. Jeu d'aventure. Complet. Oups. Le disque qui se casse la gueule. Ensuite, j'ai Hulk l'Incroyable. C'est un jeu d'aventure, hein, je pense aussi. C'est 16+. Et il est complet. Ensuite, ah, j'ai un autre Need for Speed, c'est pas le même. Complet. Ensuite, Disaster. Ah ouais, en gros faut sauver des vies là-dedans. Dégager les blessés, les gravats, donner les premiers soins et tenter le tout pour le tout pour sauver d'innocentes victimes. Et à combattre un groupe armé, survivre aux éléments déchaînés. Donc là on joue les secouristes. Ça change des autres jeux. Là j'ai un Monster Lab. Ah, celui-là n'est pas comblé. Le dernier jeu, oui. La collection des lapins crétins. Tout ça en a. Et en plus, il est complet.
Donc ouais, du coup, c'est 3 en 1, quoi. Il y a 175 jeux. Donc on va rester dans le rétro, maintenant je vais faire les jeux PS2. Allez, c'est parti. Alors, donc j'ai Stolen. Un jeu de combat, je pense. Complet. Ensuite, j'ai FIFA Street 2. Complet. Un jeu de voiture. Complet. Que je mélange pas avec les oui. Stuntman. Complet. J'ai King Kong. Oui, c'est bien ça. King Kong. Oups. Complet. Un jeu de voiture. Ça a l'air pas mal. Complet. Par contre, la boîte elle se ferme mal. J'ai les Sims 2. Complet. Eragon. J'ai jamais vu le film en plus. Un film d'aventure. Donc le jeu, ça devait être un jeu d'aventure. Ensuite, j'ai Max Payne. C'est un jeu de baston. Et complet. Ensuite, j'ai SWAT Global Strike Team. Complet. Ça doit être un jeu de guerre aussi. Ensuite, encore un jeu de guerre. Ice Combat. Ah, pas complet. Ensuite, j'ai un jeu de moto. Complet. Rendu sur les jeux PS4. Donc, nous commençons avec Rage 2. Ensuite, j'ai Watch 2. Donc le Rage 2, je l'ai déjà testé, mais alors par contre... Voilà la civilisation, les gens qui polluent, qui font du bruit, même les vendredis fériés. Bon, bref. Donc le Rage 2, je l'avais testé dans les gameplays là, gameplay test. Celui-là, il sera à faire. Les autres aussi d'ailleurs. ZF. C'est un jeu qui a l'air pas mal. Par contre, ce qui est énervant, c'est les étiquettes. Hein. Ça abîme. J'aime pas ça, moi, quand on abîme les affaires. C'est des œuvres d'art. Faut les abîmer. Ensuite, j'ai The Space Store. Ensuite, j'ai Friendstick. Un jeu que j'avais déjà. Celui-là. Celui-là, je l'avais pas. Du coup, ça me fait deux jeux en un, donc ça, c'est bien. Alors, il y a les deux disques. Et... Là, complet avec les deux disques. La notice d'art. Enfin, c'est pas vraiment une notice, hein, c'est... Si. Mini notice. S-bar. Voilà.
Donc j'avais joué déjà à Assassin's Creed Odyssey. J'avais beaucoup aimé. Et voilà, ça m'a coûté 150 euros le tout. S'il y a des gameplays que vous voulez que je fasse rapidement, n'hésitez pas à me faire part dans les commentaires. Et quel jeu vous voudriez voir rapidement. J'espère que cette présentation vous a plu les amis. Et on se retrouve bientôt pour tester tout ça. Ça va me prendre des années. Hein. Plus tout ce qu'il y a sur mes étagères, tout ça, la Switch. Oh là là. Il y a le démat aussi, hein, c'est pour ça. Ça en fait des tonnes. Il y a Pokémon que je dois acheter là. On se retrouve très vite pour les gameplays les gars. Allez, salut tout le monde, ciao!